mettrai des vidéos de Borderlands 2 et puis des vidéos de Borderlands 3. Ok. C'est bon, je suis paré. Non, j'ai celui-là, level 18. Pas un personnage overpété ou un personnage plus level tout comme toi? Non, on prend overpété, frère. Sinon, on va prendre du temps à faire le mode histoire. Ok, tu peux lancer. Moi, je veux vraiment qu'on le torche, qu'on le termine vite, quoi. Maman, si c'est le perso avec la grenade, tu sais. Ah oui, c'est vrai, mais... On s'est arrêté là, c'est vrai. Ah oui, c'est là. Ah oui, c'est vrai, il doit être plus vite que ça. Ça fait mal leur merde, hein. N'approche pas des mortiers, ma stock. Marvel, la balise a un bouclier réflecteur. Attends, je te la démo. Qu'est-ce que c'est là-bas? J'attends que ça se calme. Mais ça va pas se calmer. Le bouclier HS, ma stock, explose la balise. Je sais même plus c'est quoi les touches pour activer les pouvoirs, j'ai oublié. Je pense c'est Q. Bah pour moi. Moi c'est Q. Je pense que tu m'en prends. F pour lancer la grenade. Dans le fond, à droite de ta touche pour aller. Ouais, donc c'est F pour moi. Mais j'ai qu'un seul pouvoir, on dirait. C'est quoi le clone? Ouais, j'ai que celui-là. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est juste celle-là. Putain, c'est vraiment merde. Ce perso il est vraiment nul. Ouais. Il est nul à chier. Ça va pas venir. Moi c'est vrai pour décoder. Moi j'ai une question. Est-ce que là je peux créer un perso mais qu'on continue avec le même mode histoire? Non. Si tu crées un nouveau perso, il va avoir le spawn à zéro. Oh, j'aurais dû prendre un autre. C'est vraiment un con, mais c'est un petit léger comme ça. Wow. Il va me buter lui. Qui? Ah non. J'ai pas envie de te rire. T'as racheté mon dame. Y'a pas d'ennemi? Ah bah je suis mort. Vite un ennemi. Un ennemi, ah, je suis mort. La pause. Oh, je suis pas 13. Non, c'est juste une réaction. Si tu prends un ennemi dans, avant de monter sur les clés, je crois. Moi, je suis mort aussi. Hein. Moins, j'ai pas trop combien d'argent, peut-être 1 million. De quoi? Bah quand tu crèves, tu payes de l'argent. Ah ouais? Ah ouais. Fait que plus t'as d'argent, plus tu payes d'argent. T'es mort? Mmh. C'est quoi ton mec? On rentre les dégâts infligés par un type de suite.
comme des brutas, Mastodge. Il y a une gueule. On se retrouve à Sanctuary. Oh, faut que je te prévienne. Les Mastodge vont probablement continuer à essayer de te descendre parce que c'est des abrutis. N'hésite pas à les buter. Fais comme moi. Une 40 la Sanctuary. Le jambonneau est un plat qui se mange froid. Allez, détale. Wesh. C'est quoi ces stats d'armes là? What the fuck? C'est pas fait pour moi ça en fait. Je suis encore loin, loin, loin de ça. Ah non, ok. J'ai pas envie d'aller à peine multi. Ah, j'ai été. What? Tiens, ça doit faire de la chute. Un maillet doré pour attendre. Frère, elles ont traversé la map, hein. T'es sérieux? Ah, fuck. C'est ça qui est possible. Ils sont où? Bah, ils ont trouvé sa map. Non. C'est une blague. Wesh, ils ont vraiment traversé. Mais ça, c'est une blague du jeu, ça, en fait. Ouais. Putain. Ça m'aurait fait masse thune en vrai. Si vous voulez survivre, prenez un flingue, dirigez-vous vers Sanctuary. T'avais pas plus que ça? J'étais. Pensez pas revenir ici un jour. La dernière. Franchement, je vois pas comment passer une porte qui ne peut s'ouvrir qu'avec Jack. Attends, il me propose deux trucs là. Après épuisement, les attaques au corps à corps disposent d'un bonus dégâts raid. Ou alors un lance-grenade. Enfin, tu dois réussir le test biométrique et dire un mot de passe avec sa voix. Si tu élimines l'un des sosies de Jack à Opportunity, je peux t'aider à ouvrir cette porte. Ça me fait vraiment mal de te dire. Mais l'ange est notre meilleure chance pour l'avenir. C'est déjà qu'on peut pas lui faire confiance, mais... Reste sur tes gardes. On continue? Ouais. Mais là j'ai plusieurs points d'interrogation. C'est les points d'état d'exclamation qu'il faut que je fasse. Ouais, non, ça c'est d'autres missions. T'es pas gêné, les femmes. C'est lesquelles il faut que je fasse alors? On continue celle qu'on a là. Tiens, tu veux, prends celle-là puis va aller. Attends, j'arrive. Ça te fait 11 000. Ah non, ça te fait 111 000. Ça fait 124 000. Ah, oh, je suis plein zombie. Attends, faut que je descende. Faut que je vende des... Ah oui, il faut que je vende... bah, je vais où pour vendre? C'est là-bas, non? Ouais. Un petit coup, on m'a arraché des munitions. Si les grenades je les vends, ça. Mmh. Ouais, je peux vendre les grenades aussi. Ouais, tu peux tout vendre. Mais je vais pas vendre tout, frérot, il y a des trucs que j'utilise. Ouais, mais dans ce cas-là, ils sont équipés, non? Ah ouais? Vendre ce qu'on a. Si c'est équipé, mais ça ne t'est pas. Ah oui, non, t'as un crochet si tu vois. Si t'es équipé, t'as un crochet en bas. Ouais, voilà. Sauf que j'ai pas beaucoup. Bon, je dirais, j'ai pas beaucoup de place. J'ai pas moyen d'augmenter mon sac. Oui. Où ça? C'est... Parce que là c'est la merde là, wesh. J'ai 12 de place, frérot. Il sait. Moi perso j'ai... Faut que je prenne lequel là? Bah, augmentation d'espace, de sac à dos. Augmente de façon permanente le nombre d'objets que vous pouvez stocker dans le coffre? Non. C'est une vraie corvée de faire affaire avec toi. Augmente de façon de la quantité de munitions.
Augmente l'inflation permanente de ta quantité de quantité de grenades, quantité de munitions pour fusil. Augmente l'inflation. Ouais, y'a que ça en fait. T'achètes ce que tu veux, mais t'achètes vite. Ouais, c'est bien, augmente de façon permanente le nombre d'objets que vous pouvez porter dans votre sac à dos de 3, c'est ça? Ouais. Tire-toi maintenant. La maison reprend pas les articles achetés. Les poignées? Je crois que j'en ai pris beaucoup trop. Oh, c'était un peu trop. Et j'ai fait que de cliquer en fait. Je suis passé de combien à combien là? Ah, 21, voilà Zbi. Là on est bien là, putain. Ah oui, j'en ai vraiment acheté beaucoup en fait. Voilà l'espace que t'as. Ah oui, moi j'ai 39. Ouais, tu vois. Tu vois, pour mon niveau 21, c'est bien là. Voilà. Là, je peux pouvoir acheter. Voilà, voilà. Eh, hey, fais-en apparaître encore d'autres là, histoire de que je vende encore plus là. Non, c'est terminé. Histoire que j'arrive à 500 000, histoire de. Non. Histoire que je sois bien à vie quoi. Voilà. Non, parce qu'il est oublié. Plus le d'agent, plus t'en pars quand tu crèves. Il vit comme un tu crèves. Ah oui, c'est vrai. Par contre. Ouais, c'est ça. Waouh! Attends. Ah ouais! Pas mal. Pas mal, j'avoue. Je suis à 327 000. C'est pratiquement ce que je voulais quoi. Par contre, faudrait pas que j'achète des trucs de vie et tout. Je sais pas si j'en ai assez. Je sais pas si j'ai assez de. De trucs pour la vie. Tu peux pas acheter des trucs de vie? Ah, qui dit pas de ça? Putain. Attends. Ouais, oh. Les il manque une coupe de zéro, mais c'est bon. Attends, mais ça, c'est pas mal. Il a plus de dégâts que j'ai avec l'autre déjà. Oh. Mais c'est claqué frère, t'es mal les armes que j'ai frère. C'est claqué. Bah c'est pour ton level. Non mais c'est même pour mon level, c'est claqué comparé aux armes que j'ai sur moi là. Bon allez, je vais les vendre. Bah tu sais, on s'en bat, mais en bas, du coup il manque 4-0, c'est pas pire. Ah ouais, c'est pas pire, hein, j'avoue. Oh t'as mis un pistolet sans putain. C'est marrant. Oh ouais, c'est vraiment claqué. C'est des aides. Ça va booster votre résistance, mais pas tant que ça. Ça vous maintiendra en bonne santé. Hey, mais j'ai tout acheté en fait, je suis con moi. C'est pas là en fait, je suis con. Comment je fais déjà pour me les équiper ça? De quoi? Oh ouais non. Ça sert à rien. Pour moi ça sert à rien. Vas-y, y'a rien de manque putain. C'est claqué au sol frère. Tu peux le prendre si tu veux. Non, je deviens encore plus riche. Attends, je vais voir combien je passe là. Oh fuck! Ah ouais, là je suis bien pendant un moment là. 500 000! Moi qui. Mais attends, avec l'argent, on peut acheter quoi déjà? On peut acheter quoi avec l'argent déjà? Il est dans le magasin. C'est pas grand chose. On peut acheter des armes ou. Ah oui, mais il y a des casinos, mais bon.
Oui, mais les casinos, ça, c'est claqué, ça donne rien de. Je vais peut-être faire. Faudra qu'on reparte sur Warframe aussi après, dès qu'on aura fini avec ça. Pour finir déjà l'event, déjà, parce qu'il va pas tarder à se terminer, je pense. Non. Tu mens. Mais il restait 20 jours, frérot. Non, ça a fait une coupe de jours, c'est fini. Mais non. Quasiment ça, c'est fini. Papa. Attends, vas-y, fais, je vais me connecter en même temps. Tu vas cracher. Super, oui. C'est une blague. Putain, mais j'ai pris qu'une seule arme sur les trois. Il y en avait deux. Non, il y en avait trois. Ouais, il y en avait deux. T'es sûr, il y en avait deux? Ouais. Bon, bah, j'ai pris une arme sur deux. Oh non, t'as pris les deux, toi. Mm-mm. Oh là là. J'ai oublié de me couper. Tu dois être Jack. Enfin, tu dois réussir le test biométrique et dire un mot de passe avec sa voix. Si tu élimines l'un des sosies de Jack à Opportunity, je peux t'aider à ouvrir cette porte. Oh boy, t'as lancé Warframe, là, hein? Ouais. J'ai un rollback, là. Ah oui, il y a une mise à jour en plus, d'accord. Ok, super. Bah, là, je suis en train de lancer, apparemment, non? Il est pas fini? Apparemment, il est pas fini. De quoi? L'event? Comment ça? Bah, quand je lance le truc, ils mettent encore l'image d'event. Non, c'est là que j'ai un problème, c'est une mise à jour. Tu es le sosie de Jack. Mm. Je crois que c'est là. Allez, on s'ouvre pas la porte. Le robot qui a essayé de bloquer ma balle. Quoi, vocal pour que tu parles avec la voix de Jack. Va à un kiosque d'information. Saviez-vous que des
Saviez-vous planter les choux? Adamo, saviez-vous planter les choux? À la mode était chez moi. Ça va marcher. Saviez-vous que des gens sur cette planète croient encore aux vieilles superstitions? Anges, démons et guerriers extraterrestres, bandits. Ce sont les bandits. Ouais, ça va marcher. Encore quelques échantillons vocaux de Jack et je pourrais te fabriquer un modulateur de voix. On va claquer ce personnage. D'autres échantillons au kiosque d'information. Je regrette de l'avoir pris. Tu voulais style. Ouais, il a le style, mais il a rien qui va avec. Salut les enfants! Saviez-vous que le risque de vous faire éviscérer augmente de 8000% si vous quittez Opportunity? Toutes les études le prouvent. J'ai presque tout ce qu'il me faut. Salut les enfants! Saviez-vous que le risque de vous faire éviscérer augmente de 8000% si vous quittez Opportunity? Toutes les études le prouvent. Savez-vous que vous êtes sur le site du futur palais de l'extase d'Opportunity? Oui, oui. Pour 1000$, vous passerez une heure avec un sosie grandeur nature à mon image. Et en ouf. Non, il y a vraiment un truc avec ça. Oh non, mon dieu. Quoi? Il y a vraiment une armure en signifié. Enfin, un truc en signifié. Ouais. Attends, pas le détruire son armure là. Non. Oh. Il finit l'arbre. Bonjour les enfants! Saviez-vous combien ça a coûté à vos mamans et papas de venir vivre à Opportunity? Absolument rien! Votre famille est payée pour être ici. C'est moi qui vous nourris et vous protège tous. Alors n'oubliez pas, aimez vos parents, mais bon, aimez-moi plus. Ah, il est trop fort lui. Il est trop fort. Aimez-moi en plus. Que polluer Opportunity est puni de peine de mort? Et que toute récrimination contre les lois d'Opportunité constitue une pollution verbale. Oula! Ah d'accord, je l'ai tué, mais je me suis fait tuer en même temps. C'est cool ça. Mais tu sais, pour que t'aurais mettre en vie, t'as juste à tuer un robot. Sérieux? Moi ça, tu vas être marche. Bon, t'attends. Si t'es à terre, tu tues quelqu'un, tu prends son vie. Ah, hold back. Ouais, c'est chill, lance-flamme. Arrête de me parler! Oups. Vite, fixe la mini-montre. Ah, déjà. Bon, voilà, est-ce que j'ai des trucs intéressants? Joli. Que des trucs de merde. Que des trucs de merde. J'ai les fichiers. C'est bon. Maintenant, prends ce modulateur de voix. Super. Bon, malheureusement, tu devras parler avec la voix de Jack jusqu'à la porte de sécurité. Le moment venu, je te donnerai le mot de passe pour l'ouvrir. Eh, hey, t'avances comme un zombie, frère. Ouais, c'est... T'avances tête baissée. Oula. Ouais, je sais pas, elle a quoi, elle?
bientôt. Oh non, la pauvre. Alors, tu as trouvé le moyen de franchir la dernière porte qui mène au noyau central de l'orange. Quelle surprise, alors elle a tenu parole. On va lui renvoyer l'ascenseur. Rejoins-nous. Il est temps qu'on chope la clé de l'arche. Mais tu peux. Putain, ça on se rapproche de la fin là alors. Ouais. Putain. Message à l'attention des résistants, les pillards écarlates. Vous voyez cette ville lumineuse qui se profile à l'horizon? Oh oui, je la vois. Voilà ce à quoi vous résistez. La beauté, la pureté, l'ordre. Waouh. C'est la prochaine fois que vous dormirez dans votre déjection. Je me demande combien de temps je résiste si on en fait un 1v1 là. Même pas sûr. 0,01 seconde. Tiens, il va pas utiliser mes armes, juste attaquer ma mail. Ouais, mais what? Je te fais 7 de dégâts. Attends, avec les autres armes, je te fais combien? Ah oui! Ah, celle-là, tu fais plus de dégâts déjà! Ouais, pour prendre ma barre de descente, disons. Sérieux? Oh non. Regarde, Wesh, mais c'est un truc de ouf! Aucune arme qui te fait des dégâts, frère! Normalement, quand c'est jaune, ça veut dire que ça fait un peu de dégâts quand même! Mmh. Quand c'est jaune! Mmh, je pense que c'est un critique. Parce que là, je fais que du jaune, frère! Mmh. Moi, je fais que du rouge, même du bleu, frère! Attends, c'est toi qui fais! Ah! Tiens, mais je fais mal pour toi. Tiens, grenade. Il est plein combat, t'es mort. Ah ouais, c'est mort. Toujours une bonne arme. Ah, elle est bonne. Oh là 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 là, mon dieu. J'en peux plus de ce jeu qui me donne des armes de merde. En fait, c'est des très bonnes armes pour ton niveau. Ils sont claqués, frère. Je refuse d'en discuter. Tu n'iras pas là-bas sans moi. Point final. Tu dois rester pour protéger Sanctuary. L'heure est venue, vous tous. L'élite, Mordecai, vous protégez la ville. Okay. Brick, tu assures le soutien aérien depuis Southern Ok. Place. Quant à moi, je vais escalader la falaise jusqu'à Control Corangel. Ok. Des questions? Ouais. Ok. Pourquoi j'y vais pas, moi? Je veux faire payer Hyperion pour son guide. Ok. Mais pour l'instant, je te demande de protéger Sanctuary au cas où ce serait un nouveau piège. Ok. Tu prendras ta revanche, Mordecai. Ok. C'est promis. Ok. Je fais confiance, Roland. Ok, Boomer. Chasseur de l'arche. Ok, on a une Boomer. Idée pour voler la clé de l'arche. Ok, Boomer. Il suffit juste de passer un champ magnétique qui est censé durer de prendre son puis de détruire un bunker capable de l'aller. Et enfin de franchir une porte impossible. Oui. Sa façon à lui de dire on a compris. Il faut emmener Claptrap à Southern Cats. Il n'y a que lui pour couper le champ de force. Dans la douleur, les gars. Et dans la joie et dans la douleur. Yes. Let's go. Ah, tu t'es dit, tu peux monter au-dessus? On peut. Ah ouais, vas-y. Ouais.